Bonjour à tous, on se retrouve sur xboxlive.fr pour une vidéo d'unboxing. J'imagine que vous vous doutez ce qu'on va vous montrer, bien évidemment, si vous avez suivi les réseaux sociaux ces derniers temps. La grosse exclue du moment, la grosse info du moment d'un point de vue matériel, c'est cette bestiole-là, la Xbox One X édition Cyberpunk 2077. Qui vient de sortir dans toutes les bonnes crèmeries et à un prix assez sympa puisqu'elle est sortie à 299 €, un prix auquel on ne l'attendait pas, on était plutôt entre 400 voire 500, d'autant plus que elle contient la console, la manette et le jeu. Alors le jeu qui sera disponible qu'à sa sortie en septembre. Donc on va découvrir ensemble ce qu'on a dans ce packaging et c'est parti. Donc on enlève déjà ce petit contour en carton qui permet certainement de personnaliser pour chacun des pays ou du moins un continent. Donc on se retrouve avec une belle boîte à l'effigie de la console. Voilà, ici on retrouve le contenu de la boîte. L'autre côté avec le logo Cyberpunk en gros. Et encore l'autre côté avec le contenu de la boîte et les différentes langues. Ok, donc c'est parti. On zoome un peu sur l'ouverture de la boîte. Voilà, donc là on retrouve des papiers. Voilà, alors ici on a les infos pour récupérer le jeu, les explications, ici le mois d'Xbox Game Pass et ici comment brancher sa console. Alors on peut voir que même à l'intérieur, je tourne, on peut voir que même à l'intérieur la boîte est aux couleurs du jeu, c'est plutôt sympa et c'est flashy. Alors, on passe à l'autre côté. Hein. Alors, on passe à cette petite boîte-là. Alors, vous allez voir, hein, on peut être un peu déçu. On se retrouve avec le pied pour que la console soit à la verticale. Voilà. Le pied. Et normalement là-dedans, on trouve aussi le jeu quand il est en version physique. Donc c'est un packaging qu'on retrouve dans toutes les versions collector. Mais aux couleurs de Cyberpunk. Ce carton-là, il contient les câbles et la manette. On ouvre d'un côté. Alors première fois dans l'univers des collecteurs Xbox. Un câble HDMI personnalisé, donc de couleur turquoise. Sympa. La petite mousse. Et bien évidemment, la manette. Voilà. Avec les sticks, enfin pas les sticks pardon, les gâchettes de différentes couleurs. On reprend notre petite boîte et de l'autre côté, pas de grande surprise, pas de personnalisation, le câble d'alimentation. Là encore la boîte aux couleurs de Cyberpunk 2077. Ah, le plus important, sans quoi on ne pourrait pas jouer, la console. Alors je fais genre que je l'ai jamais ouvert, hein, parce qu'il y a encore toutes les mousses et tout, mais en fait j'ai craqué déjà. Si vous nous avez un peu suivi, vous avez déjà vu les premières photos sur notre compte Twitter. Hop. Alors ça c'est un peu mon côté maniaque, mais je ne retire que d'un côté pour pouvoir le remettre correctement dedans. Et voilà la bête. Donc là, on voit bien la façade. Voilà. Je fais le tour. Donc là, le petit Hello from Seattle. L'arrière, toutes les prises habituelles, alimentation, HDMI, out, in, USB, infrarouge
optique et réseau. Même l'étiquette aux couleurs de Cyberpunk. L'autre côté, la façade. Et maintenant, on retrouve le dessus. Voilà, on va se balader un peu dessus. Voilà. Et maintenant, le dessous. Hop. Avec No Future. No Future. Ouais, et Where is Johnny? Et petite chose qu'on n'avait jamais vue sur un collecteur Xbox, alors outre le fait qu'on a un peu de relief, voilà, on sent les différents reliefs, la gravure et autres, une petite loupiote juste ici, juste là. Voilà. Mais on va la voir en action juste après. Donc voilà, c'était l'unboxing de la console. Ben on se retrouve tout de suite pour l'allumage de la bête. Depuis la Xbox 360, certains collecteurs ont un son au démarrage qui change en fait du son habituel des consoles standards. Et on va découvrir ensemble puisque je viens de brancher la console et c'est parti pour le démarrage. Ah, énorme. Voilà, donc ça c'est le bruit de la console quand on la démarre. On voit aussi la petite loupiote qui est là. Petite lumière verte, petite LED verte qui s'allume en même temps que la console. Je trouve ça plutôt sympa. Et donc, maintenant, l'extinction. Excellent. Donc voilà, c'est le bruit de la console au démarrage et à l'extinction. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à nous suivre sur YouTube. Et sinon, on se retrouve sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, sur Twitter, sur Facebook, sur Insta. Et notamment aussi sur Discord, où vous pouvez retrouver d'autres joueurs pour vous retrouver dans d'autres parties, faire du coop, réaliser des succès, des choses comme ça. Je vous remercie de nous suivre. À bientôt sur xboxlive.fr. Allez, ciao !